Oui, pour la gorge, parce qu'il faut protéger la voix. Une couleur que j'aime beaucoup, l'orange. Une trousse, parce que j'écris énormément. Je vais publier un jour, mais pas tout de suite. Voilà. Pour écrire, il me faut bien entendu un cahier. Je vous recommande la marque. Ça, c'est pas Moleskine, mais moi, j'aime beaucoup la marque Moleskine. Voilà. Ça, c'est l'optimisme de la journée. Il y aura du soleil, peut-être. Alors, une petite trousse de maquillage, mais je ne vais pas vous la déballer parce qu'il y a tous mes secrets de beauté qui sont à l'intérieur. Donc, une petite trousse de maquillage. Livre, parce qu'il faut lire toujours. Alors, Georges Perec, je vous le recommande. Pensée classée, et qui dit à l'intérieur de ce livre des choses sur la mode qui sont tout à fait exceptionnelles, pleines d'humour, vraiment, parce que cet homme avait un humour fantastique. Donc j'ai corné, enfin, ça c'est mon travail de la journée. Enfin, je pensais à vous, oui. Voilà, une petite coupure de journal parce que j'ai lu Le Monde, mais après je ne vais pas repartir avec le journal quand j'ai pas le temps de lire les articles. Je découpe les pages, je laisse le journal en train et puis je viens avec une petite page comme ça. Et vous avez dû tous être frappés comme moi de ce qui s'est passé au Japon. Moi, j'y étais 4 jours avant que cela arrive pour jouer La Douleur de Marguerite Duras. Et il y avait un article dans Le Monde aujourd'hui qui racontait la solidarité au Japon. Comment se construit la solidarité. Voilà, Le Monde des livres, parce que ça, chaque jeudi, j'achète Le Monde des livres. Donc voilà, le petit portable. La brosse à cheveux. Petit médicament pour tenir le coup. Oui. Dernier transparent. Carte de mutuelle. Vous avez droit à un joker, hein, si vous voulez. Donc, il vous faut un gros sac. Oui, ça, c'est pour les lèvres, très important. Ma carte Navigo, le sac de soirée, c'est un fantasme. Ça, pour le portable et la clé pour la voiture. Voilà! J'adorerais avoir un sac de soirée pour toute la journée. Alors Chloé, pendant que vous faites votre petit rangement, Chloé va vous poser une deuxième question. Voilà, alors si vous étiez une paire de chaussures cette fois-ci, laquelle seriez-vous ?